tous, aujourd'hui sortie 4x4 multimarque, donc toute marque de 4x4 confondue. Nous on y va avec la 205 pour tester ses performances pour la deuxième fois. Je vous rappelle qu'elle est toujours en traction, en deux roues motrices. On risque d'être un petit peu pénalisé parce que ça va être un terrain qui est très gravillonneux comme ça, très sec. On a tendance à beaucoup patiner et en deux roues motrices ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, on va bien s'amuser. Alors juste avant de rejoindre les autres, merci à Car Vertical qui sponsorise cet épisode. Car Vertical, ils viennent de faire peau neuve, ils ont changé leur logo, ils ont amélioré leur application. On va bientôt avoir plus d'informations sur les rapports. Et pour l'exemple aujourd'hui, on va prendre celui d'une Porsche Cayenne. Donc d'office, on voit qu'il y a eu un petit trafiquage au niveau du compteur kilométrique et que le véhicule a été accidenté. On arrive sur les photos donc de l'accident, août 2019. Et d'après les photos, ça correspondrait à un choc avec un camion, sûrement en tapant l'arrière du camion. Ensuite, au niveau du vol, il n'y a pas eu de vol. Compteur kilométrique. Donc là, on a l'évolution du kilométrage en fonction des années. Et on voit qu'en août 2019, donc à la prise des photos, plus ou moins, eh bien, on a eu un rollback du compteur de 20 000 km, sûrement pour la vente après la réparation. Et le choc frontal, du coup, enfin les réparations en tout cas, ont été estimées à 17 000 euros. Voilà, c'est le genre d'informations très intéressantes quand on veut acheter un véhicule. Si c'est un service qui vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description de vidéo. En passant par ce lien, vous avez d'office moins 20% de réduction sur leur service. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et maintenant, on rejoint les autres. Bon, ça y est, on vient d'arriver sur le terrain, décombrandé, le terrain est très sec comme prévu, ça patine très rapidement et je pense qu'on va bien s'amuser.
Ok, on est bon. Je crois qu'elle est un peu morte là. Non, normalement c'est bon. Normalement, on est bon. Allez, nickel. Ah, ça a peut-être bougé un peu ici, mais c'est pas grave. Cassé. Non. Oui, c'est cassé. Hop. Direction. Voilà. Voilà, voilà, c'est bien. C'est de la liège de merde. Ça, c'est beau. On est déjà sur la fin de journée, c'est passé très vite. La 205 est vachement fiable, on a encore une fois rien cassé, même avec le passage dans l'eau où j'ai calé deux fois dedans. Il y a une durite qui s'est un petit peu démanchonnée avec les vibrations du moteur. Il y a un petit peu d'eau qui rentrait, des petites infiltrations, mais bon, au final ça redémarre derrière. C'est comme un vieux tracteur, ça marche nickel. Au final, c'est la voiture avec laquelle je suis le moins tendre et c'est la voiture qui casse le moins. Donc bon, c'est toujours comme ça, c'est assez marrant. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao.